Je scénarise dans ma tête là. Allez hop, c'est parti. On coupe. C'est ça, là c'est le cortège, levé, à genoux. C'est ça. Tracé, coupé. C'est le principe de maladie professionnelle. C'est ça parce que comme j'ai vu qu'au moment de la coupe finale, ça s'effondre. Ouais. Parce qu'il commence à s'écarter. Voilà, les petits. Ouais, après, faut. Voilà. Ouais, je suis obligé de te prendre à la main tout le temps. Parce qu'en fait, avec le parquet, on est dedans. Et les pauses d'une range à une autre, au moins, voilà moi comment je calcule. C'est la largeur de la lame. Donc, ouais, voilà. Parce que c'est une pause au tiers. En joint perdu. Donc, faut jamais, voilà, moi je fais à peu près ça, voilà, je calcule. Et faut que j'ai, voilà, au moins la largeur de la lame ici en joint décalé. Okay. Jamais venir comme ça, parce que là, c'est ridicule. D'une pas esthétique, c'est très moche. Et puis, au niveau de l'emboîtement, c'est très faible. Ça peut se déboîter au niveau du parc. Ouais. Allez. C'est pour ça que j'évite de laisser trop d'outils sur le parquet, c'est pareil. Un marteau qui tombe. Là, c'est la catastrophe. Tu reprotèges au fur et à mesure que tu avances? Comment? Est-ce que tu reprotèges au fur et à mesure que tu avances? Je me laisse sans protection. Après, j'en fais un. Quand on est sur des gros chantiers, oui. Il vaut mieux remettre une protection, mais là on est chez du particulier. J'évite. Voilà. Oh, ça va vite maintenant. Donc là, on voit bien, ça c'est le défaut d'usine. C'est pas le défaut d'usine, mais c'est que la machine le coupe, mais ça il faut l'enlever. On prend le doigt, on l'enlève. Parce que le problème, s'il va se loger dans la prochaine languette et on l'emboîte, il va se coincer entre, et après ce qui va se passer, ça fait un bourrelet comme ça, il va se mettre dedans, on va arriver peut-être arriver à l'emboîter, mais il va monter à fort et le parement va se lever. Et après quand on passe la main, on sent que le parement s'est légèrement levé. Okay. Donc voilà, faut toujours vérifier, l'enlever. Il y a des moments où il n'y est plus, il y a des moments où il y est. Okay. Donc faut vérifier. Okay. Ensuite, tu vois comment tu emboîtes le raccord là. Alors. Donc, je l'emboîte. Tu glisses là, au fond d'abord. Voilà, au fond. Je ensuite, glisse, je viens en buter. Là, je ouais, parce buter. Que là, c'est un joint souple, ça. C'est un joint lèvre. C'est un clips, on va le voir de profilé. Il est légèrement biaisé. Ouais. Et après, quand donc, on l'emboîte, du coup, quand t'appuies, il remonte et il se clipse l'intérieur. Il se clipse sur cette partie-là. Ok. Donc, faut pas non plus, quand on glisse, c'est pas d'arriver et faire blanc. Faut y aller doucement. Voilà, il est amputé. Sinon, on abîme encore le coin de la lame. Et voilà. Et là, impeccable. Il est. Okay. Il n'y a rien, il est impeccable. Il n'y a rien qui déborde. J'ai vu ta cale en plastique là-bas. C'est du. Celle que tu m'as dit que. Celle-là, ouais. Alors, celle-là. Elle sert à quoi? Celle-là, ça fait quasiment 10 ans que je l'ai. C'est une cale en téflon, mais ça vient de chez des professionnels. Bon, on tape au marteau. Ça, c'est quand de temps en temps, on a du parquet style contre-collé. Style un parquet comme ça, c'est du rainuré languette. Ouais. Et donc, arrivé là, ben, la languette a du mal à rentrer. On prend la cale, il y a un décroché. Qui est déjà étudié. Pour pas que ça arrache, mais qui tape sur le bord, on la tient bien, bien en appui, on appuie dessus, et après on tape pour emboîter l'autre lame. Ok. L'une non, dans l'autre. Juste à montrer, parce que j'ai pas tout à fait. Là, je m'en suis servi juste pour la première rangée, mais pour cette pose-là, vu que c'est du clipsé, j'ai quasiment pas besoin de m'en servir. Ok. Donc voilà. Ok, alors là.
Vas-y. Je reprends le vis, je me mets en butée le long du mur. Elle est un petit peu décollée parce qu'il y a la languette plastique. Je pose l'équerre et visuellement, je me débrouille que le bord de l'équerre arrive aligné là au bord, ici. Okay. Et après, je fais mon trait. Il n'y a pas de faux équerrage parce que là, on est collé au mur. Donc, Et là, ça permet d'avoir... Et ça me permet, après, quand je fais ma coupe... Ça correspond aux 8 mm. Ça va me redonner mon jeu ici. Ok. Voilà. Ok.